Salut les gaufrettes! Vous savez que j'affectionne particulièrement la marque Tupperware. Vous me demandez régulièrement si je suis conseillère de cette marque. Eh bien non! Je les montre parce que je les trouve super, mais je ne les vends pas. Si vous souhaitez être mis en relation avec un conseiller, envoyez-moi un petit message, les liens, en barre d'infos. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, ça sera du tup. Deux recettes avec le moule à garnir et le Speedy Chef. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine! Pour le biscuit, il faudra 3 œufs, 75 ml de sucre, 15 ml d'eau bouillante, 5 ml de vanille liquide, 75 ml de maïzena, 20 ml de farine, 5 ml de levure chimique, une pincée de sel et 10 ml d'huile. Je sépare les jaunes des blancs. Dans le pichet gradué, je verse les jaunes, le sucre, l'eau et la vanille liquide. Je fouette à l'aide du fouet plat métallique. J'ajoute la maïzena, le sel, la farine, la levure et je mélange à l'aide de la spatule. Dans le Speedy Chef, je monte les blancs en neige bien ferme. Je les incorpore délicatement à la préparation précédente et mélange bien. J'ajoute l'huile et mélange à nouveau. Je verse dans le moule à garnir et ça part bas dans le four préchauffé à 200 degrés pendant 10 à 12 minutes. Pour la garniture, il faudra 200 ml de crème liquide entière, 20 carambars, 25 ml de cacao amer, une noisette de beurre. Dans une casserole, je chauffe doucement la crème liquide. J'ajoute les carambars en mélangeant sans m'arrêter afin d'obtenir une préparation bien homogène. J'ajoute le cacao tout en continuant de mélanger. Hors du feu, j'ajoute le beurre et mélange encore. Une fois le biscuit refroidi, je le démoule et y verse le caramel. Ça part au frigo jusqu'à ce que tout soit bien refroidi. Pour la mousse, il faudra 8 oreillons de pêche au sirop, un yaourt nature, une cuillère à soupe de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 œufs. En pleine saison, tu peux utiliser des pêches fraîches. Je mixe 6 oreillons de pêche au Turbomax ou au Supersonic. Je réserve. Je sépare les jaunes des blancs. Je remplace les lames par la pâle et mélange le yaourt avec les jaunes, une cuillère à soupe du sirop des pêches et le sucre vanillé. «
Dans le Speedy Chef, je monte les blancs en neige avec 2 cuillères à soupe de sucre. Je mélange les pêches mixées avec le yaourt et y incorpore délicatement les œufs en neige. Je répartis dans les verrines. Je coupe les 2 oreillons restants en petits morceaux et les incorpore délicatement aux mousses. Ça part au frigo minimum 2 heures. Alors là, nous sommes dans la gourmandise plus. C'est vrai que c'est l'un des 7 péchés capitaux, mais il me semble que c'est plutôt la gloutonnerie qui est concernée. Bon, ça m'arrange mieux comme ça. Alors je vais de ce pas déguster tranquillement et tendrement ces préparations. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.